Les mauvais compagnons sont des amis du démon qui vient et qui nous tente par des images rassurantes qui nous entraînent le soir hors des sentiers du devoir. Les mauvais compagnons, quelle mauvaise fréquentation. Les mauvais compagnons et leur lieu de perdition mènent les célibataires sur les chemins de l'enfer en leur tordant le bras et en leur forçant le pas d'une façon immorale. C'est complètement illégal. Ils arrivent tout le temps en choisissant leur moment, s'insinuent comme le mal dans la sainte famille normale, à force d'invitation et de regards polissons, en prenant pour otage les intentions les plus sages. Ils se jettent sans raison sur les fruits de nos passions, en nous forçant à faire toutes sortes d'affaires suicidaires, escapades, sauts de clôture, free for all dans la nature. C'est pas de ma faute, ces métiers, ceux autres qui m'ont entraîné. Compagnons ont mauvaise réputation. Dans les périodes de crise, on les voit doubler la mise. Ils entraînent à leur suite un régiment de bébites prêtes à toutes les folies pour se débloquer l'ennui. Les mauvais compagnons vivent dans le fond de nos pantalons. Puis pour qui sortent dehors, pas besoin de péter ben fort. Ils se remettent les viettards presque tout naturellement. C'est comme les promesses d'ivrogne. Ça se passe quand la soif te pogne. Un si gentil petit gars, monsieur le juge, moi je comprends pas. Poussé à ses actions par de mauvais compagnons, est-il le vrai coupable? Il est tellement influençable. C'est pas lui, c'est les autres. C'est la faute à ses apôtres. Je sais bien, votre honneur, qu'au sein de votre demeure, il n'y a pas de bas-fond ni de mauvais compagnons qui viennent vous tourmenter le soir après le souper sous la forme de désir d'un grand malade. Compagnons, sauve la situation, en se portant défenseur face aux murs réprobateurs. Ils vont voir un bon coup, voir à tous leurs mauvais coups qui leur gardent la forme à mesure qu'ils se déforment. Les mauvais compagnons font leur acte de contrition en civilisant un jour la sentence de leurs amours et vont jusqu'à renier leurs anciennes amitiés, trahissant leurs complices pour un bonheur égoïste. Eh hey mec, t'es plus dans le coup. Yes! Out! Seul ou avec d'autres, André?